Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter l'événement Lama Rama de Rocket League et de Fortnite. Alors il faut savoir qu'avec cet événement vous allez pouvoir débloquer des récompenses dans Rocket League et des récompenses dans Fortnite gratuitement. Donc les récompenses sur Fortnite, les voici. Vous avez une musique, vous avez un aérosol, vous avez un revêtement, vous avez un objet de balle, un peu comme une balle de golf ou une balle de tennis que vous allez pouvoir lancer dans Fortnite et vous avez une image de Lama Rama de chargement. Alors vous aurez 6 défis à réaliser. Le premier défi s'appelle aussi DJ que Lama. La description c'est de jouer 3 parties en ligne. Les récompenses de Fortnite sont un aérosol ballon de combat. Donc l'aérosol ballon de combat ça doit être celui-là en haut à droite. Ensuite nous aurons une récompense dans Rocket League qui est un accessoire DJ Lama. Donc toutes les récompenses de Rocket League et de Fortnite, de toute façon, je vous les présenterai en vidéo tuto que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, je vais faire un tuto complet des guides, des défis de Lama Rama. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous intéresse. Ensuite, le défi numéro 2 s'appelle Lama qui cloche encore plus. La description est d'obtenir 500 points au total dans une partie en ligne. Les récompenses dans Fortnite sont un écran de chargement Lama Rama, donc celui-ci. Ensuite, nous aurons une récompense dans Rocket League qui s'appelle Hymne de joueur Cloche Lama. Le défi numéro 3 s'appelle Plus Lama que Lama. La description est de réussir 5 buts, passes décisives ou sauvetage dans des parties en ligne. Donc je tiens à préciser que tous les défis se passent sur Rocket League. De toute façon, c'est logique par rapport à la description. On comprend bien qu'il faut réussir 5 buts, donc ça se passe bien dans Rocket League. Alors la récompense dans Fortnite est une musique que tout le monde danse, donc la musique que vous voyez juste ici. Ensuite, sur Rocket League, vous aurez le sticker DJ Lama. Alors le quatrième défi s'appelle Parapluie Royale. La description, c'est de réussir 5 arrêts ou centres dans des parties en ligne. Vous obtiendrez dans Fortnite un revêtement pic de vitesse, donc le revêtement qui est juste ici, que je vous présenterai dans mes futures vidéos. Et la récompense dans Rocket League, c'est des roues Parapluie Royale. Alors le défi numéro 5 s'appelle Extraordinaire. La description, c'est de gagner une partie dans n'importe lequel des modes extra. La récompense de Fortnite, c'est un accessoire de dos Bull Turbo. Alors un accessoire de dos, alors peut-être qu'en fait ça c'est pas une balle qu'on va pouvoir lancer dans Fortnite, mais peut-être que c'est un accessoire de dos. Je me suis sûrement trompé. Alors voilà la récompense. Ensuite dans Rocket League, vous aurez un titre de joueur extraordinaire. Alors le défi numéro 6 et le dernier apparemment s'appelle Tout pour la victoire, récompense spécifique à Rocket League. Donc ça ce sera uniquement pour Rocket League. Donc la description est de gagner 10 parties en ligne et ça peut être répété. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais apparemment on peut le répéter. Alors ensuite la récompense de Rocket League c'est d'obtenir 20 000 XP. Alors s'ils disent qu'on peut le répéter, à mon avis c'est parce qu'on peut avoir plusieurs fois 20 000 XP. Alors, il y aura aussi un concert de cascade qui se passera le samedi 27 mars à 1h du matin, ensuite le 27 mars à 14h et le 27 mars à 19h. Ça se passera dans la fête royale à 16h que je viens de vous dire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Voici cascade, donc la personne qui fait le concert. Et aujourd'hui, donc à 1h du matin, nous avons obtenu dans la boutique, enfin, c'est pas gratuit, hein, c'est payant, mais nous avons l'émoticône qui s'appelle Mobile Mini Octane. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter et n'oubliez pas de mettre mon petit code créateur. Alors ici vous avez la saison 3 qui va commencer, je pense qu'elle a déjà commencé. Attendez, je regarde un truc, ah, je ne l'ai pas installé, mais je pense que la saison 3 a débuté le 25 mars. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé et que vous êtes un joueur Rocket League, ben la nouvelle saison est disponible sur Rocket League. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour.
Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.